Quand j'ai dit Chokonan Chaka, on va les mettre. Chakanan Choko, on va chanter ensemble, allons-y. Chokonan Chaka, tout le monde. Chakanan Choko, ce qui me plaît chez vous, vous comprenez vite, vous apprenez vite. Mettez-moi l'instrumental, on va chanter un peu, puis après je vais parler. On va la mettre comme ça. Vous chantez, moi je parle, allons-y. La vie c'est comme des circuits de mouton. Ça balance. Ça va devant, ça vient derrière. L'Afrique a un incroyable talent. C'est le seul continent où on peut gagner des élections et faire des résultats. Choco, choco, abedo. Je vais entendre tout le monde. Le riz qui est déjà au feu. Faut jamais se presser pour manger, c'est déjà cuit. Est-ce que vous allez bien? Choco, choco, abedo. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir Laurent Gbagbo? Le grand retour, c'est bientôt. Kakana, choco. On va s'acclamer très fort, merci beaucoup. Alors, il y a longtemps que certains ne m'ont pas vu, ceux qui étaient en exil, je vous souhaite à quoi pas dans votre pays. J'étais le seul président en exil à Abidjan. On ne me voyait pas, mais moi je vous voyais. Quelqu'un m'a dit, Adama, faut changer hein, parce que Gbagbo c'est fini. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, c'est fini, comment? Il dit, c'est fini. Il est parti dans ce pays, c'est fini. Il dit, oui, Gbagbo est fini. Ça dépend de la définition qu'on donne au mot fini. F-I-N-I, ça veut dire une force incontournable dans cette nation ivoirienne. Ces pays, ils disent, bon, ok, on va voir ce qui va se passer. Il y a eu plusieurs définis, si on voulait ces pays. Il y en a qui ont dit, non, ces pays, c'est la comédie politique internationale. Quand je dis un mot, vous dites ces pays, puis je continue. Ces pays, comédie politique internationale. La cour aux preuves est suffisante. Centre pénitentiaire des initiés. La chasse au président insoumis. La correction au président infréquentable. Mais il y en a qui disent que ces pays, c'est coup franc ou pénalty indiscutable. Chemise ou pantalon importé. Je ne vous entends pas. Il y en a qui disent que ces pays, c'est comprimé, périmé, imbuvable. Mais moi j'ai dit dans la vie, il faut positif. Donc ces pays, nous devons chanter et prier intensément pour que chacun ait une couronne de paix intérieure pour mettre fin au conflit palestino-israélien avec la complicité des puissances internationales. Que la classe des politiciens incompétents laisse la place à la classe des présidents incorrompus. Ce sont les palabres inutiles. Ce n'est pas ivoirien. Mesdames et messieurs, nous voulons un continent paisible et indestructible. Et cela ne peut commencer que par la paix, qui est si chère à mon ami personnel, le président Laurent Gbagbo. Alors, je vous avais dit que le président Gbagbo était un homme de paix. Paix, c'est P-A-I-X. Ça fait combien de lettres? 4 lettres. Je vais vous en faire combien de lettres? 4 lettres. Oui, mon ami personnel est un chiffre. Le chiffre 4. Du début jusqu'à la fin. D'abord, il est né un 31. 3 plus 1, ça fait combien? Est-ce que j'ai inventé? Laurent, ça fait 7 lettres.
Bango, si il est, ça fait 13. 1 plus 3, c'est combien? Il est des mamans. Allez, il est des mamans. Il est pété. Son papa, c'est Paul. Maman, Gado. En 2002, ça fait combien? Son pouvoir a été attaqué par une rébellion venant du Nord. Nord, c'est comme il est. Revendiqué par Soro. Du groupe MPCI. Alors qu'il était hors du pays pour voir le pape à Rome. Hors pays, pape. Rome, ça fait comme il est. 4 lettres. Le 11 avril 2011. Avril, c'est quel est mois? On le prend à sa résidence pour l'amener au golf. Golf, c'est comme une lettre. Le 13, on va l'amener à Korogo. 1 plus 3, ça fait combien? Le 29 novembre. 29, ça fait 11. Novembre, c'est 11e mois. 11 plus 11, ça fait combien? 22. 2 plus 2, combien? On l'a amené où? À l'AE. AE, 4 lettres. C'est la 4e fois qu'il partait en prison. Boudou, Sepou, Woody, ça fait 17 lettres. 1 plus 7, ça donne 8. Comme Ivoirien, 8 lettres. Comme Innocent, 8 lettres. Ce qui me réjouit, on m'a dit, ah, Daiko, tu as dit ça, mais est-ce que tu es sûr que ça va continuer? C'est là où j'avais arrêté le texte en 2017, vous vous souvenez, à l'anniversaire, à sa résidence. Maintenant, que s'est-il passé? Quand il a quitté la haie pour la Belgique, Bruxelles, c'était un vendredi. B, 22e lettre de l'alphabet, 2 plus 2, ça donne 4. Belgique, B, 2e lettre, Bruxelles, B. Deuxième affaire, 2 plus 2, ça nous donne 4. Il a reçu son passeport le vendredi 4 décembre 2020. Vendredi commence par V, 22e lettre, 2 plus 2, 4. 1, 4. Décembre commence par D, 4 lettres d'alphabet et 2020, quand vous calculez, ça fait 4. Comme la paix, Monsieur Babo est un homme de paix. P, A, D, X. Et un matin, on me dit, Daiko, on doit mettre en place un comité national pour son accueil. Vous vous souvenez? Il y a eu combien de membres? Combien de membres? 13 membres. 1 plus 3, ça fait combien? Ça fait 4. Il a été acquitté 1-31. 1 plus 3, ça fait combien? Il a mis 1-31 et il a acquitté 1-31. 1 plus 3, 4. Si vous n'applaudissez pas, ça veut dire que vous ne comprenez pas. Ne soyez pas trop dans l'émotion. Voilà, c'est ça. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. LG. L, 12e lettre d'alphabet. 1 plus 2, 3. G, 7e lettre. Ça nous donne 10. Ça fait 10 ans qu'il est parti et il va revenir. Et 76. 76. 7 plus 6, ça donne 13. 1 plus 3, 4. La paix. Et il revient pour la réconciliation. Et nous aurons la paix en Côte d'Ivoire. Parce que Babo, je lui fais confiance, il se mettra vraiment à la disposition de la réconciliation, de la cohésion sociale et de tous les Ivoiriens pour que ce pays retrouve son sourire dont on le connaît. On va acclamer très fort pour son anniversaire, on va acclamer très fort pour son retour et nous saluons. Mes chers parents, je ne vais pas être long parce qu'il y a une émission tout à l'heure à la radio. Ça, je suis venu juste pour vous saluer. Quand il va revenir, on va parler. Pourquoi il faut pardonner? Après le 11 avril 2011, à partir de 11h, il y a eu un changement. Donc désormais, il y a un nouveau comportement. Mais c'est Niaoré. C'est un nom qui vous dit quelque chose, non? Niaoré, c'est Bété. Un supporter numéro 1 de Koudou Laurent Gbagbo. Ce monsieur, il est instituteur. Là-bas, dans l'âme, son champion vient d'être transféré et un matin ils l'ont affecté à Odéné. Le Gagnoua, il a été affecté à Odié, un institut. Il dit, ah, quand je vais arriver à Odéné, les petits et Odéné vont me sentir. Parce qu'il en avait vraiment grossi le cœur. Il arrive à Odéné, c'est le directeur qui le prend pour l'amener dans sa salle de classe, une classe de CM2. Il dit, les enfants, debout, assis,
Voici votre nouveau maître, le Seigneur. Les petits se sont regardés. On dit, ah, tiens, ma pote à me relever. Ça, là, on dirait que c'est un acte de pagode. Donc les enfants savent à qui ils ont affaire. Et puis, le maître aussi, on est bien l'environnement. Donc les enfants ont commencé à bosser toutes leurs leçons pour ne pas tomber dans le piège du nouveau maître. 9 à 9, les enfants, ils trouvent et puis ils crient maïs. Histoire géo, ils trouvent. Et puis ça crie derrière, maïs, on est prêt pour toi. Ok. Un matin, voici le maître qui arrive avec une chemise rouge et un pantalon rouge. Ça, c'est des signaux que tout le monde connaît. Il écrit au tableau tranquillement, Mamadou dort en classe. Et il demande aux élèves, à quel temps est conjugué le verbe dans cette phrase? Les enfants ont commencé. Au présent de l'indicatif, aidez-moi à faire un peu comme les enfants. 1, 2, 3, c'est parti. Ah, ok. Il dit, mettez-moi la phrase future de l'indicatif. Mamadou dormira en classe. Répétez, répétez. Ça, c'est le rêve qu'il ne fallait pas connaître. Il a commencé à chicoter les enfants de 8h à 11h. Tous les étudiants sont venus, le directeur dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, comment, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ils ne connaissaient rien. C'est quelle école, ça? CM2, maman nous doit en classe. Au présent, ils ont trouvé. Au futur, ils n'ont pas trouvé. Et ils ont dit quoi? Il dit, maman nous dormira en classe. Et le directeur qui dit, mais c'est la bonne réponse. Il a contre le directeur. Le directeur dit, mais vous exagérez à l'affaire. Il dit, ah, maman nous doit en classe, ça c'est au présent. Mais au futur, quand on dort, ça veut dire, maman nous se réveillera en classe. Il dit, mais depuis quand? Il dit, ah, depuis qu'il y a changement d'un pays. Hein. Donc, il trouvait l'occasion pour le chicoter. Et il a eu son occasion. Mais je pense que ça ne va pas continuer comme ça. Parce que nous sommes résolus à aller à la paix. Et la Côte d'Ivoire doit aller à la paix. Joyeux anniversaire, monsieur le président Laurent Gbagbo. Joyeux anniversaire à vous. Et Dieu vous donne longue vie et la santé. Et nous vous attendons pour vous accompagner à cette dynamique de paix et de réconciliation. Je vous remercie. Merci, Yarama Naïko. On l'applaudit encore très, 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 très fort. Merci, Naïko.